Eh bien, salutations, bonsoir, peuple. J'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Mr. Fisherman. Ouais, Revive, Mr. Fisherman, vous l'appelez comme vous voulez. Deuxième partie de Tu préfères. Première vidéo, je l'avais fait tout seul. J'avais demandé 15 000 pouces bleus pour une deuxième suite pour la partie un petit peu plus trash, hein. Interdit de moins de 18 ans. Et vous avez démonté la barre des pouces bleus, hein. Du coup, bah, on est parti pour une deuxième partie. Et Revive va m'accompagner, pour cette vidéo. Donc, c'est super sympa. Avant que la vidéo commence, je voulais vous balancer des informations extrêmement importantes par rapport à la Paris Games Week. J'y serai de mardi soir jusqu'à dimanche soir, donc j'y serai tous les jours, mais attention, ça veut pas dire que je vais être forcément visible, vous allez peut-être pas forcément me croiser pendant la semaine, mais le dimanche vous pouvez me voir à 100%, j'ai le truc qui est validé à 100%, parce que voilà, au niveau des stands Paris Games Week c'est un peu le bordel, les personnes font des stands et les annulent au dernier moment, c'est compliqué avec les marques, les structures, etc. Donc voilà, pour le reste c'est un peu flou, mais la seule chose que je sais à 100%, c'est que je serai dimanche de 13h à 15h sur le stand Trust. Donc voilà, le stand Trust, il y aura le logo juste là. Ce sera au pavillon 3 de la Paris Games Week, dans le hall 3, stand B024. Donc moi-même, je ne sais même pas ce que c'est. Mais voilà, si vous êtes là, ça va me faire plaisir juste de vous voir. Surtout que grâce au stand, eh bien, je vais pouvoir vous faire gagner des trucs de PC, clavier, souris, cartes graphiques. Enfin, ils vont vous faire gagner pas mal de lots sur place. Donc je vous attends là-bas. Eh bien, nous allons commencer maintenant la vidéo Tu préfères hashtag 2 en compagnie de Revive. Donc comment ça va fonctionner? Ça va être très simple. Je serai pas le seul à dire ce que je préfère. Il y aura Revive qui participera aussi. Je laisserai d'abord répondre aux questions parce que moi, à tes souhaits. Merci. Parce que moi, dans tous les cas, je changerai pas mon avis. Enfin, je me ferai pas influencer par rapport à ce qu'il va dire. Et voilà, c'est free. Déjà, la première, elle fait peur là. J'avoue que ça commence direct. Est-ce que tu préfères te faire sodomiser par un scatophile sadomasochiste tous les samedis soirs, ou tu préfères louer pendant une nuit ton petit frère de 4 ans à un groupe de pédophiles cinquantenaires? Mais je préfère largement me faire sodomiser, mec. Tu préfères te faire sodomiser par un scatophile tous les samedis soirs? Bah oui, bien sûr. Je veux pas louer mon petit frère, ça va pas ou quoi? Jamais la famille. Mec, c'est-à-dire que tous les samedis soirs, jusqu'à la fin de ta vie, t'as un rendez-vous avec des scatophiles sadomasochistes qui vont... Exactement. Mec, en vrai, je sais pas, j'avoue que c'est chaud. Tu vas pas donner ton petit frère à des mecs de 50 piges et... Ça va pas ou quoi? Mec, après, en vrai... C'est non juste... mais y'a pas de... En vrai c'est... En vrai c'est une fois. What the fuck. Mec, en vrai <C'est>... Hey, je suis sûr y'a plus de gens qui ont voté comme moi. Attends. Non mais en vrai, attends, moi je me mets dans l'optique que tous les samedis soirs, quand j'aurai ma famille, mes enfants, etc., je serai obligé de dire, les gars, je vous quitte, je vais aller me faire sodomiser. Alors que le petit frère, il a précisé que c'est juste une seule fois. Certes c'est ton petit frère, mais c'est une fois, tu vois. Oui mais c'est un petit frère de 4 ans. Ça va pas, jamais. J'avoue que c'est chaud, mec. C'est quoi, on va répondre ta réponse? Moi, en vrai, je sais pas, mec. En vrai, je pense que plus de gens ont voté pour la deuxième option. Bah oui. Quoi, la deuxième? Ouais, vas-y, on vote. Fou. Mec, 58-42, c'est ultra serré. Ouais, c'est ultra serré, mais quand même. C'est moite-moite, en vrai. Prochaine question. Revive, tu préfères tirer la barbe du Père Noël ou tirer la Mère Noël? Attends. Moi, je réponds tirer la Mère Noël, mec. Bah, de même, hein. En plus, on l'a jamais vue, du coup. Ouais, ça se trouve, elle est dégueulasse. Ouais, c'est ça le problème. En fait, ça dépend. Si elle est mignonne, ok, mais si elle est dégueulasse. Mais moi, je dis, quoi qu'il arrive, tirer la Mère Noël, mec, tout le monde va répondre ça, 90%. Ouais, ouais. What? Quoi? Quoi? Je suis choqué, là. Attends, ce que ce délire. Après. Attends, mais je crois qu'il y a un piège. Mais non, mais c'est tirer la Mère Noël. En gros, c'est la baiser, quoi. Oui, bah oui. Après, tirer la barre du Noël, c'est pas non plus un truc. C'est marrant, quoi, mais c'est tout. Ouais, mais après, t'as des cadeaux. Non, mais tirer la Mère Noël, t'as aussi des cadeaux. Bah non, elle a pas de cadeaux, c'est le père qui s'en occupe. T'as des cadeaux aussi, mec, t'en fais pas, elle miche-toi bien le Père Noël. Vas-y, prochaine question. Riva, est-ce que tu préfères roter burp entre burp, chaque burp mot? Hein? Ou dire une monstrueuse insulte à la fin de chaque phrase que tu dis à quelqu'un? Je t*** sale p***. Bah, roter burp entre burp, chaque burp mot, quoi. Bah, je comprends pas, en vrai. Genre, je fais quoi? Je fais... Tu rotes, et tu... Voilà. En vrai, je préfère quand même le premier parce que roter, c'est pas tout le temps. Parce que dire une monstrueuse insulte à chaque fois, tu dis ouais, Revive, comment ça va? T'as fait quoi aujourd'hui? Je t'en cule, sale. Mais imagine, t'as un entretien. Alors, oui, voilà, je vous présente mon CV et je t'en cule, sale. C'est bon, tu l'as raté ton entretien, tu vois. Et après, c'est une maladie en vrai, c'est la maladie de la. Comment on appelle ça? La tourelle. Tourlette. La tourette. De la tourette. De la tourelle. Dites-le dans l'espace commentaire, je m'en rappelle plus. Mais du coup, le 1, je préfère largement le 1.
Quoi? Mais pourquoi on a toujours what the fuck? Mais mec, avec toi, c'est totalement l'inverse. Mais c'est un truc de... Mec, le premier truc que j'ai fait, j'étais toujours dans la majorité. Avec toi, je suis toujours dans l'inverse. Mais c'est pas possible. Quoi, il y a des gens... Non, mais je pense qu'ils rigolent, tu vois, en mode, ouais, c'est trop marrant, mais au bout de 24 heures, ça te casse les couilles d'insulter tout le monde. En vrai, je reste sur le premier. Vas-y, prochaine question. Alors je rappelle juste que le truc qu'on est en train de faire c'est trash et écrit entre parenthèses interdit en moins de 18 ans. Je suis sûr il y a des gens en moins de 18 ans qui l'ont fait de toute façon. What the fuck, c'est quoi ça? What? Attends. Est-ce que tu préfères avoir l'haleine qui sent la bite ou avoir la bite qui sent l'haleine? Bah largement le deuxième. J'avoue. Bah oui. Et ça va être encore le contraire. Non, c'est pas possible. Bah oui. Oh ouais. Mais là... Mec, heureusement. Oh, heureusement. Prochaine question. Alors tu préfères, Evaï, voir tes grands-parents faire l'amour à chaque fois qu'ils le font ou faire l'amour une fois avec eux et ne plus entendre parler? Non, en vrai, moi j'ai déjà ma réponse aussi. Vas-y, tu sais quoi, je vais répondre en premier. Moi, pour moi, le premier, qu'est-ce que je m'en fous que j'entends mes bah, grands-parents oui. faire l'amour, mais que je m'en fous qu'ils le fassent. J'ai déjà entendu mes parents quand j'habitais à l'époque bah, avec mes parents, mec, je m'en fous. Osef, ouais. La une. Bah, ouais, 71. Hein. Par contre, il y a des gens qui voudraient participer avec eux. Non, mais c'est chaud, ils sont bizarres. Prochaine question. Alors, est-ce que tu préfères t'asseoir sur un pénis et sucer un gâteau ou t'asseoir sur un gâteau et sucer un pénis? Wow, c'est chaud. Wow, on est obligé de répondre à ça. Non, mais tu peux t'asseoir sur un pénis sans forcément qu'il rentre. Ah si, mec. Interdit de moins de 18 ans, mec. C'est parce que faut que tu te le rendes dans le cul. C'est obligé. Bah, je préfère largement sucer que de me le prendre. Bah oui, mec, te faire enculer, c'est indigne. Mec, tu préfères sucer une bite? Bah oui. Mec, je préfère largement m'asseoir dessus et manger un gâteau. Parce que quand t'étais jeune, tu vois, tes parents, ils te mettaient des médicaments dans le cul ou des trucs comme ça, le thermomètre, etc. Du coup, limite, tu penses juste à ça et tu manges un bon gâteau. Mec, sucer une bite, t'as une bite là et tu la mets dans ta bouche, les yeux, juste là. Et tu t'imagines t'asseoir sur une bite et manger un gâteau? Mais bien sûr que je préfère, attends. Je suis sûr la majorité, ils ont voté ça. 67% comme moi. Non, parce que... Mec, sucer une bite, je vomirais. Et moi, me prendre une bite, ça serait... Mec, tu penses à autre chose. Tu penses à autre chose. C'est un gâteau, il est hyper bon. Tu manges ton gâteau, t'es content. Dans tous les cas, les deux trucs sont horribles. Mais ouais. Je pense que j'aurais pris le premier, moi. Comme la majorité. Enfin bref, prochaine question. Rivaï, tu préfères te branler et éjaculer sur tes draps ou te branler et éjaculer sur tes mains? Moi, j'ai... Sur mes mains. Comme ça, je suis sûr que les draps, ils sont pas sales. On va faire largement sur les draps, moi. Mais what? Sur les mains, et comme ça, après, tu te laves les mains et mec, pop. Et tu les désinfectes et c'est bon. Mais non, sur les draps, après, t'essuies. Putain, on s'entend pas. Moi, je suis sûr, il y a plus de gens qui ont voté les draps. Quoi? C'est moite-moite, quand même. Hein. 47-53. Mais je sais pas, non, je jamais sur les mains, moi. Moi je le fais sur les draps, voilà. Dans la vraie vie, je le fais, hein, mec. Prochaine question. Est-ce que tu préfères avoir un orgasme tous les quarts d'heure, ou tous les 15 minutes un orgasme, ou avoir un orgasme tous les quarts de siècle? Non, bah tous les quarts de siècle. Tu t'imagines avoir un orgasme tous les quarts d'heure? Genre t'es là, tu parles avec des gens et tu... Mec, je kiffe trop le sexe. Et après tu reparles. Avoir un orgasme tous les 25 ans. Tous les quarts d'heure. Ouais, mais après tu t'habitues au bout d'un moment, tu vois. Tu réagis pas de la même manière. Au début oui, mais après au bout d'un moment c'est... Tu t'habitues. Moi je dis le premier. Moi je prends le deuxième, perso. 64% comme moi. C'est chaud. Tous les 15 minutes, tu t'imagines? Mais oui, mais je te dis, tu t'habitues après, tu te rends pas compte. Ah, mais t'éjacules et... Je sais pas, mais il y aura plus de sperme tous les 15 minutes, c'est pas possible, t'auras plus rien. Vas-y, prochaine question. Vas-y, je te laisse lire un petit peu, là. Te faire arracher les dents sans anesthésie, te faire ruiner les couilles par un pivert. C'est quoi ça? What? Un pivert, c'est un oiseau qui fait tout sur le bois. Ah oh ouais, non, je préfère me faire arracher une dent sans anesthésie. Hein. Largement. Ah, les même. Couilles, c'est trop précieux. Surtout le pivert, mec, ça nique le bois, mec, ça fait des trous ouais, dans les non, arbres. Mais t'as plus de couilles. Arracher les dents. Ah non, attends, toutes les dents? Mais ils ont pas dit toutes les dents. Ouais, donc... bah, je préfère largement 2-3 dents. Ouais. Et mec, mais après, je fais pas, je vais voir un dentiste et hop, je les remets et c'est fini. Vas-y, premier, moi, et toi? Premier, pareil. 60%, la majorité. Ouais. Après, il y en a, ils aiment pas, je sais pas, ils ont peut-être quelque chose contre leurs couilles. Ouais. Genre, il y a une couille, elle a insulté l'autre et... Mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, prochaine question, vas-y. Tu préfères coucher avec ta mère ou tuer 3 milliards de personnes? Mais c'est des bâtards, là. Moi, en vrai, vas-y, réponds. Ouais, il faut bien, de temps en temps, découvrir des choses. Du coup, tuer 3 milliards de personnes. T'es fou, mec. Non, je rigole, coucher avec ma mère, là, genre... Ouah, t'es sérieux, t'as dit ça ah comme oui. ça? Tuer 3 milliards de personnes. Non mais moi je sais déjà à mon avis, tu vas pas m'influencer. Moi j'aurais dit coucher avec ma mère en fait, ouais. Parce que j'aurais dit maman, voilà,
on va se parler sérieusement. Il y a combien de milliards d'habitants sur la Terre? On est à 7 milliards, on est bientôt à 8 milliards. Voilà. Genre, tu tues pratiquement la moitié de la Terre. Je m'arrange avec elle, je lui explique. Voilà, maman et tout. Mais en fait, même elle-même, elle va comprendre, tu vois. Elle va se dire, c'est pour sauver la moitié de l'humanité. Du coup, je pense que tout le monde a voté ça. Tout le monde va voter couché. Quoi? Waouh! Non mais attends, mais non mais là c'est de l'égoïsme pur hein. Non mais Yona, j'en suis sûr, ils ont pensé à Avengers parce que dans Avengers en fait il y a 3 milliards d'habitants qui meurent. Après ils réussissent à revenir en arrière et ils revivent. Oh non mais là les gens ils regardent trop de films. Ah ouais. Ça ils regardent trop de films, soit ils sont vraiment égoïstes. Attends mais du coup, sachant que il y en a 9620 qui tuent 3 milliards de personnes, ça veut dire qu'en fait c'est la fin du monde. Non mais tu prends la tête pour rien là. C'est juste un sondage. Vas-y, prochaine question. Est-ce que tu préfères manger de la merde ou boire de la pisse? À boire de la pisse. Pareil. Largement. Pareil. En plus, il y en a, il y a un film, une histoire vraie, il était obligé de boire de la pisse pour survivre. Mais ça c'est des trucs d'aventure, genre ouais. C'est Man vs Wild, il fait ça. Mais pareil, boire la pisse, mec, manger ta merde, je vomis. Je vomis si je mange ma merde. Ah, non, voilà. Voilà. 94%. Il y en a quand même 6 qui est 6% qui veulent manger leur merde. Non mais c'est des scatophiles mec. Bah ouais, c'est obligé, sûr. Obligé. Prochaine question. Est-ce que tu préfères dormir alors entre deux culs qui puent ou dormir entre deux bites qui sentent bon? Bah deux culs qui puent. Tu t'imagines entre deux bites toi? Oh mais ça sent bon. Non. Laisse-moi mec, les culs, mec. Mec, t'es entre deux culs poilus qui schlinguent la merde et tout, tu vas jamais t'endormir. Alors qu'il y a deux bites. Sachant que je prends en compte qu'il n'y a pas de contact. Hein. C'est juste deux bites, mais il n'y a pas de contact. Juste deux bites qui sont là, mais elles sentent super bonnes. Genre, ça sent trop bon. Je préfère largement deux bites. Alors que, mec, tu t'endormiras jamais avec des culs qui puent. Vas-y, moi, je prends un. Wouah! 80! Je fais partie d'une secte. Mec, mais en vrai, des culs qui puent, genre la merde. Ouais, je sais pas. Tu t'endormiras pas en fait. C'est peut-être le fait que ce soit la bite qui fait que ça m'a. Ouais, m'a fait... mais elle sent bonne. Enfin, je sais pas. Après, je sais pas c'est quoi une bite qui sent bon. Je suis pas assez souple pour tester ça. Vas-y, prochaine question. Est-ce que tu préfères voir ta mère coucher avec un ours? Donc tu mets TK en gros. Soit voir ta mère coucher avec ton père. Bah, quoi? Largement voir ma mère coucher avec mon père. Quoi? Mais c'est quoi cette question? Mais évidemment. What? What the fuck? Il y a 12% qui préfèrent voir coucher avec TK. Après, c'est les abonnés, tu vois. Ouais. Les abonnés, ils veulent voir TK charbonner sur leur mère. Et ouais, tu préfères faire l'amour bourré ou faire l'amour sans alcool? Ah ouais, mais ça, tu peux pas répondre à ça. Ouais, mais je peux répondre par rapport à comment j'ai, dans quel état j'étais. Je pense que je préfère bourré. Ah bon? Ouais, parce que je sais que si tu fais l'amour sans alcool, je me sentirais pas capable de faire certaines choses. Tandis que bourré, en mode, t'es un peu timide, enfin pas timide, mais en mode, t'oses pas faire des trucs. Ouais, exactement, tandis que bourré... Non, mais bourré, t'es un peu en mode, tu vois, tu peux être moins performant. Non, il y a moyen. En vrai, moi, je préfère faire sans alcool. Parce que au moins, je suis bien performant, je fais du sale, mon gars, genre... 85. Putain, je suis parti d'une secte encore. Dernière question, Rivaï. Est-ce que tu préfères enculer ton meilleur ami ou tu préfères te faire enculer par ton meilleur ami? Alors, Rivaï. Ouais, je l'encule. T'es sérieux là? Bah oui. J'avoue que moi aussi j'encule en vrai. Je bande les yeux, mec. Je me dis c'est une meuf très mignonne et. Ouais. Un trou, c'est un trou. Hein. Pour moi, un trou, c'est un trou. Je préfère enculer un mec que me faire enculer en vrai. Et 72% des gens préfèrent enculer une autre personne que se faire enculer. Il y a quand même 28%. On va arrêter là-dessus. C'était super sympathique. 30 minutes de tournage, même plus. Je sais pas combien ça fera de vidéos YouTube. Mais c'était beaucoup plus trash. En même temps, c'est la catégorie spéciale trash moins de 18 ans. Ça n'a rien à voir par rapport au premier tu préfères. Si ça vous a fait kiffer, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous. Si c'est toujours pas le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Qu'on se rapproche de plus en plus des 1 million. Oh là là, des 1 million d'abonnés. Comme ça, lui... Tour de magie, mon gars. Mais voilà, et du coup, si vous avez un troisième thème, si on arrive... Alors, j'avais dit 15 000 pouces bleus, prochain épisode. Je vais augmenter légèrement le niveau. Donc, on va pas 15 000 pouces bleus pour un troisième épisode, mais 16 000 pouces bleus.
Non mais là c'est sûr, on va en refaire. La merde, mais ouais, mais moi ça me dérange pas. Si à 16 000 pouces bleus, on se fait un troisième épisode. Dans l'espace commentaire, dites-moi le thème. Sur quoi vous voulez qu'on parte? Il y a un truc sur le corps humain, un truc sur l'actualité, un truc sur le sport, un truc sur les marques, un truc sur les personnages et un autre truc encore sur la vie. Voilà. Qu'est-ce que vous voudrez voir? Troisième épisode, si y a les 16 000 pouces bleus, à vous de voir. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, journée, bon matinée, enfin j'en sais rien. Riva, est un petit dernier mot avant de dire pour arrêter la vidéo. Bisous. Des bisous les gars, ciao ciao, des bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Le faux bruiteur, abonne-toi à la chaîne du faux bruiteur.